tout s'envolver. Não importa se cair, pois sei que posso levantar e vencer. Mandando a força da coragem, toda sua energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, ça y est, on sait enfin le nouveau DLC de Shinobi Striker. On était longtemps à attendre, on a mis longtemps à attendre. Mais là, ça y est, et enfin, c'est un perso qu'on attendait depuis le début de Shinobi Striker. Neji Hyuga, ça fait plaisir. Voilà, Neji qui arrive directement sur le jeu. Comme vous le savez, on va faire directement le regarder les techniques, faire les théories des techniques, qu'est-ce que ça va donner comme technique. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de Mirai Pouce Bleu. Pour faire plaisir à Neji, voilà, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Mettez enfin Neji Hyuga. Voilà, parce que très clairement, ça faisait un moment, quoi. Ça fait depuis le début du jeu qu'on se dit putain, ils vont jamais le sortir, Neji. Donc, Neji Hyuga sera directement de type défense. Voilà, c'est un type défenseur, donc ça va faire plaisir à ceux qui jouent en type défenseur. Du coup, on va regarder directement sa première technique. Bah, tout simplement, ça va être la paume du haké. Très clairement, ça va être une paume du haké. Voilà, tout simple, banal. Ça fait du bien pour les défenseurs, une petite technique d'attaque. Une petite paume de haké. Bon, bah, c'est tout simple, c'est tout basique. C'est Neji Hyuga. Deuxième technique, ça va être une sorte de blocage, genre d'un stun ou d'un dégagement du personnage. Genre, tu vois Neji qui se stun, qui se bloque. Après, l'ennemi se fait dégager, donc... À voir ce que c'est comme technique, je ne sais pas du tout ça peut être quoi comme technique. Voilà, on verra bien ça en game. Et puis, bien évidemment, on va partir aussi sur la technique ultime, qui est les 64 points du haké. Alors, je ne sais pas si ça va être juste les 64 points, ou alors si ça va être les 128 points du haké. Faut pas oublier que Neji, il utilise 128 points et les 64 points du haké. Mais je pense que ça va faire très mal, ça va être une technique qui est tapée sur une seule personne, ça va pas taper sur plusieurs personnes. Je trouve ça un peu chiant, c'est un peu pénible. Pas de tourbillon divin. Ça par contre, on n'a pas de tourbillon divin pour Neji, alors que pourtant c'est lui qui le met. Alors peut-être parce que c'est une attaque qui l'amène, je crois. Donc c'est vrai que bon, c'est dommage pour Neji, pas de tourbillon divin. Donc je pense qu'ils ont trouvé une alternative avec sa technique numéro 2. En soi, Neji plutôt pas mal. Je pense que il va faire très mal, il va pas changer la méta, je pense pas. Ça va être un bon défenseur, ses techniques sont pas mal. La technique ultime qui est en solo target, c'est très compliqué de jouer avec ce genre de technique. Surtout quand vous êtes en contrôle de base et que vous avez 4-5 ennemis qui se tapent dessus. Bah les autres vont peut-être être stun, mais tu taperas que sur un seul ennemi. Alors je sais pas ce que ça donnera, on verra bien gameplay en main. Avoir un petit Neji qui fait plaisir, parce que le mois d'août, on n'a rien eu. On n'a rien eu du tout, donc c'est vrai que... Là, septembre, faut qu'ils envoient du lourd avec le Neji. J'espère vraiment qu'il va être cool parce que ça fait un personnage qu'on attendait depuis longtemps. Et puis, j'espère que vous êtes content. N'hésitez pas, du coup, à me dire ça par commentaire si vous êtes content ou pas de l'arrivée de Neji. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 6000 abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous en masse en partageant en max. En max. En max, hein. Max. T'as compris, max. Tes potes. Voilà, c'est simple et efficace sur Facebook, Twitter et même partout. En tout cas, nous, on va se laisser. On se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!